6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 8h31, dans 2 minutes, je vais appeler le ou la gagnante qui va repartir au prochain Énergie Music Tour le 11 février prochain, voir entre autres Stromae à l'Olympia. Tout est offert, transport et hébergement. Je fais encore durer un peu le suspense. J'appelle le gagnant ou la gagnante juste après les infos. Allez. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, la pluie a enfin cessé de tomber ce matin à Avignon. Le ciel devrait se dégager d'ici la mi-journée pour laisser passer des éclaircies de plus en plus larges. Les températures maxi en légère hausse vont grimper jusqu'à 11 degrés. Il fait 5 de suite à Avignon et Bagnoles, 3 degrés pour Carpentras. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Toral Automobile, zone de fond couverte à Avignon. Et alors qu'il a encore pas mal plu cette nuit en pleine, il a encore beaucoup neigé sur l'est du 84. Il y a 1,50 m de neige sur le Ventoux, 50 cm sur le plateau de Sceaux. Bonne nouvelle, avec la réouverture des pistes de la station côté nord du Géant de Provence aujourd'hui. Elles le sont déjà depuis quelques jours sur le versant sud. Prudence pour les randonneurs puisque le risque d'avalanche est fort. Sur la route, prudence également à l'est du 84. Toutes les routes ne sont pas dégagées et ce matin encore certaines liaisons par car scolaire notamment ne sont pas assurées vers Sceaux. sud-est-mobilité.fr pour plus d'infos. Faire le bon choix, demain a lieu à l'Université d'Avignon le forum Rencontre après bac, un forum destiné aux futurs bacheliers mais pas que, sans concerner tous ceux qui se posent des questions sur leur avenir et qui voudraient découvrir de nouvelles formations. 350 exposants seront présents pour 1 200 formations disponibles aux quatre coins de la France. Christine Pétain, directrice du CIO d'Avignon, invite tous les curieux à venir les découvrir. Qu'on soit en première, en terminale, c'est urgent de réfléchir à son orientation, mais même si on est plus jeune, c'est l'occasion de découvrir des choses. Quand on est jeune, il faut être curieux. Si on ne sait pas ce qu'on veut faire plus tard, j'ai envie de dire, c'est pas grave, mais il faut être curieux, il faut avoir envie de se renseigner, il faut que les parents aussi les accompagnent ou viennent, parce que je crois que quand on est parent, on a un rôle à jouer dans l'accompagnement de l'éducation et dans le choix de l'orientation de ses enfants. Propos recueillis par Alexandra Chauvin. Le forum se déroule demain, donc de 9 à 17h à l'Université d'Avignon. Une fois les études terminées, décrocher un emploi est un véritable parcours du combattant. Les jeunes diplômés qui sont actuellement en poste ont envoyé 27 CV en moyenne avant d'être embauchés. Cette enquête révèle aussi que parmi ceux qui ont terminé leurs études au cours des 3 dernières années, à peine la moitié est salariée aujourd'hui. En sport, du foot, pour la 22e journée de Ligue 2 à l'Avignon, se déplace à Clermont ce soir. Les essayistes en pleine forme en ce moment après leur victoire la semaine dernière face au leader Metz. En Ligue 1, un match avancé. Le PSG reçoit Bordeaux ce vendredi. OM Toulouse, c'est pour dimanche soir. Puis en volleyball, Avignon et Orange dans les 5 premiers de Ligue B reçoivent ce week-end. On suivra demain Lazon face à Plessis Robinson et AVB Maxville Nancy. Voilà pour vos infos 8h34. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Bonne matinée. Bienvenue dans ce vendredi 31 janvier 2014, c'est Manu dans le 6-9, c'est le week-end qui démarre, on est là avec vous. On va s'écouter Lady Gaga avec R. Kelly, Do What You Want, ça arrive pour vous juste dans quelques secondes. Il y aura aussi Tal, il y aura New World Sound avec Flute, c'est vos hits préférés, tout ça, ça arrive avant 9h. Dans 5 minutes, c'est le Super 06 qui est de retour, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie, avec un homme honnête et sincère. Ah. Et Gouja. C'est dommage, hein. Ouais, oui. On peut pas tout avoir. C'est le Super 06, ça arrive pour vous dans 5 minutes. Ce sera juste après Lady Gaga et R. Kelly. Mais maintenant, alors, soit j'appelle le gagnant du double hit. Oui, qui va repartir avec des places pour l'Energy Music Tour le 11 février prochain à l'Olympia à Paris. Soit je vous donne des chiffres sur les proutes. Non, le gagnant. Ok. Venez voir vos stars préférées sur la scène du Energy Music Tour. Toi, à cause de toi, Mélanie, on n'apprendra pas des trucs chouettes sur le prout, c'est dommage. Ah, quel dommage. Ben, j'aurai le temps avant 9h. Je suis un professionnel. Attention, il y a quelques minutes, c'était le double hit sur Energy. 2 hits à la suite de Stromae. Qui a été le premier ou la première à m'appeler au 0870 42 48 pour repartir avec 2 places pour le Energy Music Tour le 11 février prochain avec entre autres Stromae? Eh bien c'est parti, j'appelle maintenant. J'ai son prénom devant les yeux, mais je ne le dirai pas. Pas encore en tout cas. Allô? Allô? Oui! Manu, merci, de m'avoir parlé. C'est Virginie? Oui, c'est Virginie.
Bon bah je crois que tu sais alors. Oui, merci. Tu as été la première à m'appeler, Virginie. Super, on vous écoute tout le temps, vous êtes la meilleure radio. Je sais, c'est pas facile, hein, je t'avoue, c'est compliqué à gérer, c'est un bordel. Virginie, écoute-moi bien, tu as été la première à m'appeler quand t'as entendu à la suite les deux hits de Stromae, t'as fait tes papa outé. Ça veut dire que grâce à ce double hit, tu vas repartir avec deux places pour assister au tout prochain Energy Music Tour. C'est le 11 février prochain à l'Olympia avec Lord, Ben L'Oncle Soul, Bastille, Chris Cab et Stromae. Génial, merci. Virginie, oui. Tu habites où? J'habite à Saïs, près de Castres. Près de Castres. Eh bien, sache que de Castres à Paris, pour venir à l'Olympia, tout sera payé. Le transport, évidemment, l'hébergement sur place. Tout est offert. Tu vas te régaler, Virginie. Bravo à toi. Merci. Je vous aime. Vous êtes trop, trop bien. Merci toute l'équipe. Merci, Manu. Ah, tu sais quoi? J'adore t'écouter parler parce que je suis fan de l'accent ch'ti. C'est vrai. Je t'embrasse très fort, Virginie. Bravo aussi, à toi. Merci. Gros bisous. 8h38 sur Énergie. Bah voilà, ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien d'entendre du bonheur. C'est vrai. C'est le week-end qui démarre. C'est Manu dans le 6-9. 8h38. Dans 3 minutes, c'est le Super 06 qui arrive. Le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie. C'est juste après Lady Gaga sur Énergie.